Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre Let's Play sur Assassin's Creed Syndicate. On va changer de personnage et on va continuer donc la quête du dernier Maharaja. Alors il me semble qu'il y a encore une mission. Oui, tout à fait, c'est une quête de Lipsing. On est bien au niveau ressources, je crois, là, ouais. Donc à quoi attendez, je vais regarder l'heure pour savoir où j'en suis. Ok. Bon ballot. On sera plus très loin visiblement. Ah, c'est dans la gare, ok. Oh. Allez, c'est bien. Ah, c'est là, ok. C'est pas dans la gare, ça se lance. Beaucoup de bière pour rien. Après l'affaire du train, Daleb dévoile enfin sa nouvelle idée. Dérober le Koh-i-Noor, un diamant aux possessions de la reine Victoria. Ayant appris le penchant pour la bouteille d'un ami du joaillier royal, Jacob décide de recourir à ses talents afin de se procurer les informations dont l'équipe a besoin. Oh ! Vous prenez pour qui là, vous les brutes là ? Possible ça. Alors, on reprend. Jacob décide de recourir à ses talents afin de se procurer les informations dont l'équipe a besoin. Donc bah, ça va, c'est une mission à faire avec Jacob visiblement. Donc on a le bon personnage pour cet épisode. À force de chercher, j'ai fini par découvrir quelqu'un qui pourrait savoir où se trouve le Koh-i-Noor. J'en suis ravi. Rien ne voit. C'est un dénommé Cornelius Totibotan. Avec un tel nom. Oh. Ça doit être un buveur de bière. Apparemment, c'est un ami. Il a ses habitudes dans un pub du quartier de la cité. The George. En général, je sais faire mon affaire de ce genre de personnes. Ne sois pas ridicule. Ne crains rien, cher sœur. Je vais m'en occuper et tout seul. Venez me retrouver à Westminster quand vous disposerez de ces informations. Le temps est maussade là? On saute ici. On y va. Vous n'êtes pas avec le joaillier royal ce soir? C'est si triste de voir seul. Quoi que vous attendiez de moi, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est de boire une autre pinte. Voilà ce que je propose. Oh. Si je bois plus que vous, vous me dites où se trouve le célèbre diamant Koh-i-Noor. Vous pensez pouvoir me faire rouler sous la table? Vous ne savez pas à qui vous avez. Quel mec est facilement dans le panneau. Plus que vous relevez le défi. Tavernier, deux pintes par ici. Ça va, y'a personne dans le bar, vraisemblablement. Faut réussir à se pinter. Ah, ça commence à monter. Ah, ok. Lendemain matin vers 10h. Qu'est-ce qui s'est passé?
Or, pas question de regagner le train tout de suite. Je vais d'abord tâcher de retrouver mes esprits. Je sais que j'étais dans un pub. Oh, ça s'est battu contre des brutes. Vous avez donc survécu. Oh, le Darwin. Je me demandais si j'allais vous revoir vivant. Ah non, c'est... je sais pas si c'est Darwin ou Dickens. Ça doit être Dickens plutôt. Attendez, on peut le savoir assez facilement. Alors, il y a des nouveaux trucs qui sont apparus, mais bon. Là, allier. C'est Dickens. Pardon. Ah, c'est vous. Je pensais ne plus jamais vous revoir quand vous êtes parti à ce concours de tir. Oh. Ah, alors on va revu la liste précédente, vraisemblablement. C'est peut-être Evie qui va aller sauver Jacob ou je sais pas trop, un truc comme ça. Ce jeu s'appelle... Le tir aux bouteilles. Précisément. Ça vous tente ? Vous pouvez me dire où se trouve le diamant ? Si vous réussissez à me battre. Ah d'accord, comme ça, on a ce flashback ou je sais pas quoi là. Elle est très très ivre le personnage là. Coupé. C'est hyper dur. Allez, on va l'avoir celui-là. Ah, c'est dur. Ah. Ah. Vous êtes comment dire ça poliment ? Lamentable. C'est hyper dur, je vous jure, ça bouge dans tous les sens. Quoi de ça ? Allez, je... Ah, oh, celui-là est dur. Oh, oui. Je suis dur. Oh. Vous savez tirer mieux que je ne pouvais l'imaginer. C'est fini pour ce pub, mais tendre est la nuit. Allez, direction le Bricklayer's Arm, Johnny Boy. Suivez-moi. Mon nom est Jacob. Ok. Il est en train de pisser contre le mur. Qui a fait ça ? Qui a fait quoi ? Peu m'importe, Cornelius. Dites-moi plutôt où trouver le diamant. Quelqu'un l'a renversé. Un malotru a renversé ma pierre. Écoutez. Ma pierre. D'accord. Je vais trouver qui a fait ça. That's a knife. Une enquête bourrée dans un pub. Très fun. Jeu de cartes, hein, un jeu de cartes récemment utilisé. Dickens. Renverser le verre de quelqu'un ? Pourquoi diable ferais-je une chose pareille ? Donc c'est pas lui, c'est sûr. Ah, les brutes. Oh, des brutes. Ils sont méchants. Eux. Très méchants. D'habitude, j'ai pas de pitié pour eux, mais bon. Si vous voulez mon avis, Brutus. J'ai pas peur de le dire. Il faut être le dernier des rats pour oser faire ça. Ah d'accord, hein, ils sont gentils, là. Ah.
La bière est renversée par terre et plusieurs personnes ont apparemment marché dedans. Peut-être cette trace constitue-t-elle une piste ? Toute une enquête pour une pauvre bière renversée. Bon, après, le personnage est ivre, donc peut-être qu'il va accorder une importance différente à des choses insignifiantes. Mais bon. Ok. Oh. Bon bah ça peut être que les brutes hein. Je vais t'écraser comme un demi-tour. Et bonne journée. Tu retrouveras peut-être tes manières si je viens. Ok. Ok. Torse poil, comme des vrais mecs. Ils sont pas très solides. Nous ferions mieux de filer avant que ça ne s'aggrave. Je vous avoue que j'ai eu la peur de ma vie. Je crois que vous êtes malade. Oh non, pas de ça. Je vous ramène chez vous. Je tiens plus sur mes jambes. Dites-moi qu'il plaisante. Ton argent. T'attends, gars. File-moi ton argent. Allez, que je fais pour mériter ça? Je suis ravi de vous avoir parmi mes amis. Tu vas crever. Ah, c'est ça les deux brutes là. On va leur faire regretter de venir fourrer leur nez là où il ne faut pas. Passez sur le côté. Tu vas me payer ça. On devrait faire ça tous les soirs. Vous parlez toujours. Je crois que j'ai exagéré. Vous savez voir, vous savez. Peut-être même mieux que moi. Oui. Alors tâchez de vous en souvenir. Eh bien, bonne nuit, Julia. Eh, attends. Arc. Ouais, c'est toujours long les chargements. Is this what we've come to? Hey, who do you think you are? Teach the Spartan locals and the way to be a law against bad news. Ah, il est encore pas frais. Hey, il est en train de cuver là. Où est cet idiot de Button? Oh. Je sais même pas s'il est encore vivant. On dirait, ouais, il a dû grimper comme un con là-haut. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Je vous ai ramené chez vous. C'est grave. Ah, enfin. Bon, alors. Où est ce maudit diamant? Est-ce que ça compte comme une victoire? D'accord, d'accord. Surprise. Il est à la Tour de Londres.
Il y restera jusqu'à ce que le gala de ce soir s'achève. Ensuite, on le renverra chez le joaillier royal de nouvelle taille. Merci bien, Buttons. Et attendez. Ouais, alors, repousse ses vêtements. Hein. Accuser le vrai coupable. C'était pas les brutes. C'était Deacons. Ah bon. Ah bon. Je peux bien piger alors. Bon, de toute façon, il n'y a plus grand chose en matière d'items ici. Hein. Ah, par contre. Si, ça, 6 sur 7, et au niveau des objets à trouver spéciaux, j'en ai aucun, sur 4, et évidemment, ils sont pas sur la carte. Donc ça, c'est peut-être un truc que je ferai à la fin du jeu, j'irai peut-être prendre... Je prendrai peut-être donc voilà, j'irai peut-être voir sur internet des solutions. Il peut y avoir des cartes où c'est indiqué les emplacements. Parce que je vois pas comment je peux les trouver sinon à Louis, sinon à part à Louis avec les boîtes à musique là, mais ça va pas être simple. A mon avis, c'est de ça qu'il est question. Bon bah niveau objet ça va être un peu compliqué de trouver d'autres choses ici. Record personnel pas établi. Sixième manche, s'il y en a un. Ici, ok, donc ça c'est fait aussi. Donc on a une course à faire ici. Bah on y va. Bah, je vais passer à la boutique avant. Oh. Bon, allez. Vraiment dans les quartiers d'usine là. Un peu les vastes usines, même si on les a déjà pas mal explorées. Alors, c'est ici. Bravo. Allez, ralentis. Course en circuit. Allez, comme d'hab, on fait de son mieux. Voilà, même pas besoin de forcer, de leur taper dessus. Alors, il suffit juste de les laisser s'entrecrocher.
Et hop, dans un virage, on les chope. On chope la position. Aïe, je vais perdre du temps là. J'ai l'impression que vraiment qu'en bourrin, y'a que en bourrinant tout le temps que j'y arrive hein. C'est rien. Ah, c'est une course autour là. Cachalot. Enfoiré. Enfoiré. Il a un véhicule plus large que moi, le salaud. Colle au cul, c'est chiant. Je n'arrive pas à prendre vraiment de l'avance là. Merde. Allez, troisième tour. J'ai pris un peu d'avance là. Faut pas la perdre. Voilà, je perds mon avance. Peut-être qu'en dérapant, on peut gagner de la vitesse. Enfoiré, bah, vaché! L'ordure! Ordure! Bande de crevards, bon tant pis. Oh, j'étais devant tout le temps là, ils vont pas me mettre. Troisième place, c'est amusé. Bon, tant pis, je prends. On peut le refaire, attention. Eh, c'est épuisant, trois tours comme ça. Alors, ok. Alors bon, bah, il n'y avait plus que les quatre items qu'on n'a pas eu ici. Ici, tout est bon. Bon, il y a les mémoires, hein, mais ça, je le garde pour... je le garde pour un peu plus tard. Au niveau combat, première place, ici, ouais, ça c'est fait. Non, c'est les courses, pas les combats. Bon, il nous reste un peu de temps, donc on va bouger. Peut-être qu'on va s'attaquer à ce quartier, là. Oui, on n'a pas tout là. On est d'accord. Qu'on n'a pas tout. Par exemple, ici, tiens. Aïe! Vas-y, ma
Ah, faudra que je regarde s'il n'y a pas à l'occasion d'autres activités comme on l'a fait là, parce que ça risque de me déverrouiller des activités partout dans la map après. C'est qui le bon cheval ? C'est toi. Peut-être que j'allais déverrouiller toutes les activités pour le bien. L'item est ici. Allez, j'en admire le beau paysage de fleuve pollué par plein de bateaux. Soleil pétant. Donc l'item est là-haut. Ah merde, c'est un bateau brut. Ah, ça circule, hein. Je peux pas me hisser, là. On va essayer, là. Oh là, le pauvre. Comment on fait pour accéder à là-bas, là ? Là, il va littéralement dans le sens opposé de ce que je lui demande, mais bon. Ah, c'est tout là-bas. Ok. Non! Putain, mais c'est pas possible! Ah, oh, salopard! Ok, on l'a. Alors, mémoire. Donc là, c'est pas des activités, c'est des mémoires. Mémoire, on sait que ce sera par là pour la suite. Activité d'associé. Donc écoutez, comme c'est vraiment important tout ça, on va... C'est la part des mémoires. On va s'en occuper tout de suite. Ça, ce sera fait. Il faut qu'on déverrouille toutes les activités d'associés. Qu'on sache ce qu'il nous reste à faire. Il va y en avoir un paquet, à mon avis. Évidemment, il est bien long, ce jeu-là. Il est comme le Unity. Parce qu'entre les items, les mémoires et les activités d'associés, ça fait vraiment de quoi faire. Hein. C'est des longs chargements un peu longs, hein, mais bon. Bah tiens, on a un item à choper là. Voilà, on est rendu l'immense édifice. On pleure. Voilà. Ouais, c'est vraiment colossal le truc.
Freddy, dans cette tenue, j'ai failli ne pas te reconnaître. Je trouve que ça vous va très bien. Je vous remercie de m'avoir aidé à collecter ces primes. J'ai été très impressionné par vos résultats et... je vous souhaite bonne chance à l'avenir. Ok. C'est tout. Ça m'a rien mis. C'était juste ça, on l'avait peut-être déjà fait alors. Ah, oh, à tous les coups, c'était... voilà, toutes les activités de Brut, là, ça devait être les activités secondaires de lui. Donc il suffisait juste de faire... voilà, de faire ça, ouais. En fait. C'est ça, ouais. Tous les débrutages, là. Notamment les personnages à livrer, hein, notre cher personnage, là. Ça devait être ça, en fait, tout simplement. Ok. Bon, quand on avait, par exemple, des missions, il fallait assommer un type et le lui ramener, voilà. Même si parfois on le tuait sans le faire exprès, bon. Activité d'associé, Clara Audi. Il y a partout, hein, des activités d'associés, donc bon. Ned Weinert, il y en a partout, je vous dis. Après, il est possible que beaucoup d'entre elles aient été incluses dans les... Parce que là, à tous les coups, Clara Audi, ça va être encore les libérations d'enfants, là. Ce qu'on s'est fait dans les missions de Brut. Là, j'ai pas tout bien suivi tout ça, mais bon, c'est pas forcément facile, hein, à piger. D'ailleurs, faudrait qu'on pense à faire les missions sur le train. Si j'y pense, ce serait bien de faire ça après les missions qu'on aura fait avec Singh. J'aimerais bien faire les missions du train, là. Il y a des trucs à faire aussi. J'ouvre pas trop le coffre de train, c'est vrai, je devrais le faire plus souvent, mais bon, faut y retourner à chaque fois, c'est un peu chiant. C'était déjà pareil dans Unity avec le café-théâtre. J'allais pas tout le temps là-bas ouvrir le coffre. Puis faut se farcir des chargements qui sont longs. Donc là, pour terminer cet épisode, tant pis si on déborde un peu, on va aller verrouiller, enfin on va aller cliquer sur toutes ces activités d'associés, parce que je pense que ça va juste pas mal nous vider la map en fait. Tu fais bien nuit là, une belle vue hein. Bah là, c'est l'église. La brique, là, c'est bien joli. Alors, on va aller voir Clara Audi. Clara, on y va. Vous avez vraiment beaucoup aidé les enfants de cette ville. Attends, tu veux dire que... On a réuni ce qu'on a pu pour vous exprimer notre reconnaissance. Merci, Clara. Voilà. Bon, bah en fait, finalement, ça va. Toutes les fameuses activités d'associés, c'était simplement les missions à Brut, hein. Les missions, voilà, de quartier, là. Il y avait des quartiers à Brut où, voilà... il fallait, donc, libérer les enfants, là, par exemple, comme c'était le cas, là. Et là, donc, là, ça faisait partie des activités de Clara Audi. Donc, ça, c'est réglé. Alors, ensuite, l'activité de Ned. Alors, ça, à mon avis, c'est du nouveau, mais bon, on va voir. On peut pas... téléporter, ouais, ouais, c'est pas... Niveau temps, on va pas gagner grand chose. On va prendre ce taxi. Mais on va pas le prendre en tant que passager. Bon, je sais pas si on va plus vite ou moins vite que les voitures, en tout cas on est plus élevé.
un peu plus ballot à commander quand même, hein. Ouais, ça rejette du bus un peu, hein. Ok, donc faut grimper dans cette gare. C'est qui le bon cheval ? C'est toi. Faut une entrée déjà. Et ça, ça va être un peu subtil. Ouais, parce que on a l'impression qu'il y a des entrées, mais il n'y en a pas en fait. Non. Bah écoutez, on va y aller à la dure, on va passer directement par les rails. A mon avis, ouais, c'est dans l'espèce de passage entre les deux parties de la gare. Je dois venir te voir. Alors, voilà, là-bas. Ouais, elles sont vachement belles, leur gare, quand même. Alors, on est pas loin. C'est ici. Ah oui. Ok, là, ça nous lance vraiment dans quelque chose. Ah! Ah! Ah, je l'attendais pas. Activité d'associée, moi je m'attendais pas à ça. Ah, je le savais. Soyez les bienvenus. Nous essayons de maintenir l'équilibre à Londres en suivant les cargaisons routières, fluviales et ferroviaires. Mais on a un problème, les Blighters. Si vous pouviez avoir la bonne idée de nous en débarrasser... Londres serait une ville plus sûre. Et si vous trouvez des choses de valeur, gardez-les. J'adore les choses de valeur. Ok, tout simplement. Ouais, là ça apporte plein de trucs, hein. Des petites missions de débrutage là partout, ouais, des missions de bruit partout maintenant, ouais, super. Ça va la compliquer la tâche. Mais bon, au moins on aura du boulot. Ok, donc ça c'est bon. Ouais, je suis désolé, je vais toutes les faire parce que là, c'est vraiment important pour moi. Activité, alors là c'est de mémoire, donc là non, on touche pas, là non plus, mémoire. Mémoire, là, et voilà, pareil. Là, je crois que c'est une activité d'associée. Là, c'est pour la fin. Il y a des missions à faire aussi, ici. Ça, je sais pas ce que c'est. Dreadful Crash. Ah, à mon avis, c'est un DLC, ça. Ah là là, on a du boulot. Parce que oui, je crois que c'est un DLC, ça. Peut-être que de base, le jeu n'a pas énormément de contenu, mais avec les DLC, ça en rajoute beaucoup. Mais comme j'avais tout pris, ça fait beaucoup de choses. Donc, il nous reste plus qu'une activité d'associée à déverrouiller, et ça va, on va spawner à côté. On s'arrêtera là. Un peu long, hein.
Ah, dommage que la musique se coupe, elle est toujours bien sympathique. Ah, c'est vrai que par contre que toutes les quêtes, les mémoires de telle ou telle personne, c'est bien de faire ça à la fin. Hein. Ça aurait été de con de faire ça en parallèle de l'histoire principale. Parce que c'est vraiment des quêtes secondaires, des histoires secondaires. Mais c'est pas le cas de tout, les activités d'associés, par contre, c'est mieux de les faire en même temps, quoi. Alors, c'est le G. Je sais pas si c'est dans la gare, j'imagine que oui, elle est immense. C'est là. Ok, ça va peut-être vite se faire, ça. Vous êtes là. J'ai quelque chose pour vous. D'autres cadeaux? Tu me gâtes. Les Templiers sont en déclin, et je suis contraint de l'admettre. Les Rooks prospèrent. Ah bah oui, forcément, on les a tous débrouillés. On prospère. Vous avez fait du bon travail à Londres. Je suis fier de vous. Voilà, c'est réglé. Donc on va juste avoir les nouvelles activités, là, qui se sont... déverrouillé, en plus des petites missions de course et de combat là qui étaient déjà là de base, qu'on essaiera de faire toute une fois, même si on les réussit pas forcément à merveille, on s'en fout. Globalement là pour l'instant ça va. Puis il y aura un peu de débruitage du coup, hein, visiblement. Enfin, je pense qu'on aura tous à les faire qu'une seule fois, hein, mais on va voir ça, on va voir dans le futur. Mais du coup on a un paquet de choses à faire là maintenant. Hein. Plus les coffres à récolter. On a de quoi s'occuper un petit moment là. Mais ça par contre c'est vraiment des nouvelles activités ça. Vol de cargaison. Ouais c'est quasiment que des vols de cargaison en fait. Hein. Et là dans les... Ça doit être le même genre. Hein. Raid fluvio, c'est un peu différent, c'est sur l'eau. Mais sinon, à part ça, c'est que des vols de cargaison, pas simplement. Bon. Ah bah tiens, là, il apparaît l'objet, voyez-vous. Secret de Londres. Là, ils apparaissent pas, mais peut-être qu'ils seront visibles avec les vols de cargaison, allez savoir. Allez, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, et je vous dis à bientôt pour le prochain. Ciao.